Bonjour et bienvenue dans Audition publique, une heure un invité, tous les lundis soirs à 19h30 sur Public Sénat et LCP. Soyez donc les bienvenus. Notre invité ce soir, c'est Marc Feno. Bonsoir à vous, Marc Fesneau. Merci d'être avec nous, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. La sécheresse qui sévit, les pesticides sur lesquels vous avez plaisanté récemment au Sénat, mais qui sont un sujet majeur pour les producteurs, le bio en berne, les prix alimentaires en hausse, la réforme des retraites. Des décrets sont parus hier. Est-ce un bras d'honneur aux manifestants de demain Vous nous le direz. L'atmosphère à l'Assemblée nationale est-elle respirable Brigitte Boucher et Tam Tranuet reviendront sur ces enjeux dans quelques instants. Vincent Roux sur les questions d'actualité. Yves Tréhard sur la suite du quinquennat. Marc Fesneau, sans majorité absolue, êtes-vous condamné à naviguer à vue Emmanuel Macron est-il Peut-il mener des réformes Avez-vous la réponse à cette question clé, évidemment, euh, pour la suite du euh, mandat d'Emmanuel Macron euh, Tout cela sont des questions sur lesquelles on va revenir. Je voudrais quelques instants euh, d'abord, en introduction, euh, revenir avec vous euh, sur cette divergence entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron sur la meilleure façon de lutter contre le rassemblement <coughs> national. Euh, pourquoi Parce que la Première ministre avait estimé publiquement. Que le parti de Marine Le Pen était l'héritier de Pétain, le président a dit lui en Conseil des ministres La morale, en substance, la morale n'est pas efficace pour convaincre les électeurs. Mais je le cite dans le texte On ne combat pas l'extrême droite avec les mots des années 90. Sur le fond, c'est une question importante. C'est une question importante. Sur le fond, quelle est la bonne stratégie Celle du président ou celle de la première ministre Ne me dites pas les deux, mon capitaine. Parce que les deux ne sont pas les mêmes. Mais les deux ne répondent pas aux mêmes questions. La première ministre, pardon, je vais vous faire <laughs> ma réponse quand même. Les deux ne répondaient pas à la même question. La première ministre Elisabeth Borne a répondu à une question d'un de vos confrères sur Radio J, qui était de dire est-ce que vous pensez qu'historiquement le Front National l'héritier du Front, du... le Rassemblement National est l'héritier du Front National lui-même, fondé par un certain nombre de gens qui étaient des héritiers de Pétain ou qui avaient été dans l'héritage de Pétain. Et à cette question, elle répond oui, comme tout le monde peut répondre oui. C'est un fait historique. Ce faisant, elle relie par non, non, un cordon non, non, le RN ça... au pétainisme. Mais historiquement, c'est comme ça que le fondateur du, du Front National, c'était Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il avait dans ses équipes des gens qui étaient les héritiers, pour une part d'entre eux, de ça. C'est dans les fondateurs, dans les membres fondateurs, il y a des gens qui avaient été militants, si je peux dire, de cette de cette cause-là. Donc la première ministre répond à cela, qui est un fait historique. Et qu'il faut jamais oublier, parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, au fond, finalement, euh, sur ces questions-là, il faut jamais euh, penser que parce qu'on changerait d'habit, il n'y a pas derrière pour certains, en tout cas, des gens qui se réclameraient ou qui derrière auraient cette philosophie-là. La deuxième question, c'est de savoir comment on combat euh, non seulement les idées, mais euh, la progression du Rassemblement national dans les dans les urnes et dans les voix. Et là, c'est la question de la, la façon dont on s'adresse aux électeurs, ce qui est une autre question. Et le président de la République a eu raison de rappeler que s'adresser aux électeurs, c'est pas euh, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, et quel que soit l'endroit où ils se situent, et quel que soit leur vote, ce n'est pas de leur donner des leçons, et ce n'est pas ce qu'a fait Elisabeth Borne. Vous étiez au Conseil des ministres Non. Alors en plus. Alors vous n'y étiez pas. J'étais en Conseil du été... ministère de l'Agriculture à Bruxelles. Bon, eh ben, vous avez le droit, c'est votre métier. Mmh. Mais simplement, euh, évidemment, que de faire fuiter cette admonestation d'Emmanuel Macron à l'égard d'Elisabeth Borne, c'était bien pour souligner. Quand même qu'il y avait une différence d'apport. C'est pas ce qu'a dit le président de la République. Euh, je suis coutumier des conseils des ministres où ce n'est pas le, la présidence de la République qui fuite, c'est parfois des gens qui sont autour de la table et qui pensent qu'il faut fuiter. Moi, j'ai pour, pour principe de ne pas faire fuiter les débats et, les, et, les, et ce qui se dit au conseil des ministres. C'est le lieu où on doit pouvoir dire des choses. Euh, et sans que ce soit de nature publique. Et donc, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire fuiter ce genre de choses. Donc, je ne peux et pas ben, avoir les, les propos tels qu'ils sont. Et deuxièmement, sur le fond, je vous ai répondu, il me semble que la question fondamentale, c'est d'essayer de retrouver de l'apaisement dans le pays. On en reparlera tout à l'heure. C'est la question de répondre à ceux qui vont parfois vers les votes populistes à l'extrême gauche ou à l'extrême droite et ceux à qui il faut répondre des sujets qui sont les leurs. Cela dit, Emmanuel Macron qui dit comment il faut lutter contre le Rassemblement National. Avec un quinquennat d'Emmanuel Macron, le Rassemblement National n'a pas cessé de monter. Donc, en termes d'efficacité, il n'est pas le meilleur. J'ai suffisamment d'expérience politique ou d'ancienneté politique. Depuis 1984, le Rassemblement National, il n'a jamais cessé d'augmenter. Donc, on doit tous se mettre en cause. Et je pense que le sujet principal, c'est le sentiment que, un, on n'écoute pas ou au sens. on ne verbalise pas ce que vivent les gens. Le deuxième sujet, euh, c'est d'essayer de résoudre les sujets, et je crois que c'est ce que nous essayons de faire depuis cinq ans, mais je prends un seul exemple, quand vous êtes sur la question de l'hôpital, qui a autant de retard accumulé, euh, sur la question de la médecine libérale, euh, François Braune s'y attelle comme ses prédécesseurs aussi, euh, quand vous libérez le numerus clausus, vous avez des effets à 9 ans, quand vous décidez de mettre 9 milliards, c'était sous Jean Castex, euh, sur le Ségur de la santé, vous, vous raisonnez à 3, 4, 5 ou 6 ans, et donc il faut qu'on accepte aussi que, Rétablir un certain nombre de choses, en particulier dans ce domaine, par exemple, de la santé, ça prend du temps et c'est ça qu'il faut qu'on explicite aussi. Le temps la politique fin. est un temps long oui. et, et il supporte assez mal les chaînes d'information continues ou la demande continue de Twitter. Alors, quand même, cette petite cœur à la distance, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a été perçue. L'émetteur est toujours un peu responsable de la perception des faits. Euh, évidemment, on entraîné beaucoup de, de commentaires. Je vous cite celui-là. Beaucoup de... de commentateurs, ça, c'est vrai. D'Alexis Corbière, député euh, La France Insoumise sur LCI. Il a estimé, je vais le dire en termes crus, Emmanuel Macron est un lâche, il s'essuie sur les pieds de Mme Borne. Est-ce qu'il a tort oh, M. Corbière est coutumier de, 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 de l'excès des propos. Il a, un, sur le fond, tort, et deux, euh, il n'est jamais avare de, de mots qui sont des mots euh, qui sont disproportionnés et qui ne relèvent pas du champ euh, politique, me semble-t-il. Corbière. Euh, comme les autres devraient faire attention aux mots qu'il emploie parce que c'est inexact sur le fond et c'est inapproprié sur la forme. C'est injurieux. Le, le dire comme ça, c'est injurieux. Bien sûr, c est, c est, il peut y avoir, il, il est coutumier le fait que le premier ministre, la première ministre, le président de la République puissent avoir des débats, mais dire cela, c'est un défaut de vérité et par ailleurs, c'est des mots qui sont des mots injurieux. Euh, je précise qu'Emmanuel Macron a interrogé il y a quelques minutes à, au Mont-Saint-Michel à l'occasion d'un déplacement sur euh, cette querelle alors euh, supposée. Euh, je, je le dis quand même parce qu'il répond que c'est du clapotis, du clapotis pardon, et que euh, ce sont des bulles de savon sur lesquelles il ne veut pas. Euh, mais il a raison parce que. Ce pas le fond des sujets qu'on a devant nous, on va en parler d'un ah bah, La montée sujet. du Rassemblement National, non, non, mais... si c'est un sujet non, non, mais de fond. Non, non, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ouais. ça ce que je veux dire. Mais commenter des phrases auxquelles personne n'a assisté et essayer de nourrir ouais. des querelles, il me semble que ça relève effectivement plutôt du clapotis que du fond. Le remaniement, ça n'est pas du clapotis, ça bah, concerne. Ça, va... ça concerne. Et tout à l'heure, Yves Tréard vous interrogera sur le maintien ou non d'Elisabeth Borne à Matignon pas dans la les semaines. J'aurais assisté à du clapotis. Pré-remaniement, post-remaniement. Ah ben, soir... euh, bon, ben voilà. Yves Tréhard est prévenu de la façon dont vous allez l'aborder. Je vous présente, mais vous les connaissez. Brigitte Boucher Bonsoir, et Bonsoir. 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 pour l'ACP et Tam pour le euh, Sénat. Et évidemment, on commence par la grande affaire des retraites. Elle revient dans la rue demain. Exactement. Nouvelle journée de mobilisation. Donc demain, l'intersyndicale ne désarme pas. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, juge que, je la cite, rien n'est écrit d'avance. Elle estime que les suites dépendront du niveau de mobilisation est qu'elle a tort Je ne pense pas que les choses doivent se dire comme ça. D'abord, il faut toujours respecter les mobilisations. et Vous m'avez jamais entendu dire autre chose qu'il faut écouter ce qui peut se dire dans la rue. On verra ce qu'est l'état de la mobilisation demain. Le sujet est désormais. C'est de faire en sorte que la réforme qui a été votée puisse se dérouler. On reviendra peut-être sur les décrets d'application. Elle a été votée dans la temporalité de l'année 2023 pour qu'elle puisse s'appliquer dès le 1er septembre pour un certain nombre de mesures. Il n'est pas illogique que nous déroulions les choses. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'on continue le travail d'explication. La mobilisation de demain, elle peut changer les choses pour vous, selon mais son importance. Il y a, la façon y a dont déjà eu se passe. des mobilisations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, mais mm -hmm. la nécessité, pardon. Est-ce qu'il y a besoin de, de, de réformer le système de retraite Aujourd'hui, il y a six mois ou il y a douze mois, la vérité, c'est oui. Et ça veut dire que la mobilisation ne change rien Il n'y a, non, y a pas si de retrait pas dire... envisageable non, non, de la réforme On ne peut pas en permanence. Gouverner, ce n'est pas la question du, de gouverner, Ça n'est pas simplement la question d'être populaire. La question de gouverner, c'est qu -ce qu de quoi on a besoin comme réforme en responsabilité pour le pays. On, part, on passe notre temps... On va en parler non, mais c'est juste... On, on, juste -ce vous dire, que ça change est, quelque attendez, chose à la journée seconde, de demain On passe notre temps à parler de souveraineté. La première des souverainetés, c'est de ne pas dépendre des autres pour se financer, et donc d'avoir de tendre vers des équilibres budgétaires. Cette réforme, elle vise à ça, avec un certain nombre d'autres mesures qui viennent aussi améliorer la situation qui est celle d'aujourd'hui de ceux qui vont partir à la retraite. Et donc, qu'on puisse écouter les manifestants, qu'on puisse écouter la colère, mais qu'on puisse dire aussi, sans, sans être insultant à l'endroit de personne, qu'on pense que cette réforme est nécessaire. C'est pour ça qu'on l'a votée, y compris au risque mmh. de l'impopularité. Avec le chemin que nous avons fait, je pense qu'il faut que cette réforme, désormais, puisse se dérouler. Alors justement, les deux premiers décrets d'application sont parus hier au journal officiel, avec notamment la mesure la plus controversée contre laquelle euh, se battent les manifestants, celle qui concerne le report de l'âge légal. Est-ce que ce n'est pas en cette semaine oui. de mobilisation dans la rue à l'Assemblée nationale. Pardon, le texte, il a été voté. Il est passé sous les fourches codines, si vous me permettez l'expression, du Conseil constitutionnel. Et au motif qu'il y avait un impact budgétaire en 2023, il a été mis dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs pour ça, en partie, que le Conseil constitutionnel l'a validé, puisqu'il y avait des mesures. Est-ce que ça rentre en vigueur. des en mesures puissent se mettre en œuvre dès le mois de mm -hmm. septembre. Nous sommes le 5 juin. n'est pas illogique. Que nous fassions en sorte, sauf à avoir menti. Il y a quand même une coïncidence de Vous calendrier y qui est un peu fâcheuse. Non, quelques jours. Vous l'auriez fait à la fin de la semaine Oui, alors vous auriez parcours... dit que vous avez été hypocrite. Mmh. Oh non ah, bon, euh, Est-ce <laughs> que c'est ah, -ce est le c'est un calendrier Oui, c'est le hasard du calendrier. J'ai euh, pas rigide. un peu de l'huile sur le feu, faut, quand même faut, Avant une mobilisation, pardon, pardon demain de vous, dire, vous entendez le ton avec lequel j'aborde toujours ces mmh. sujets-là. Il euh, n'y a aucune offense qui est faite à personne, simplement les décrets d'application. Il y a une temporalité, il y a des choses à préparer. On est au mois de juin, il faut que ça soit pro-mois de septembre. Ce c'est pas une offense sur un texte qui est voté, qui est voté qui est définitivement... On va en débattre. Que... Oui, mais qui est définitivement Non, non si le texte, celui-là, il est définitivement voté. Donc, personne... enfin, il n'a jamais été voté. Il n'a jamais oui, été est voté au... <laughs> à l'Assemblée. La le il outil, a outil le plus puissant qui soit est une motion de censure, puisqu'il y a eu une motion de censure sur le texte. Euh... Ça ne fait mais pas mais un vote sur le texte. On ne va pas refaire l'histoire, on, on en avance, parce qu'il y a encore un épisode parlementaire. Euh, il y a la proposition de loi du groupe Lyot, qui vise à, à abroger la réforme des retraites, euh, qui va être discutée jeudi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. et Il y a cet article 1, avec un amendement de suppression qui a été adopté. Qui a donc été voté. Qui a été voté adopté en commission et qui euh, vise donc à, à, à supprimer euh, le retour à la retraite à, à, à 62 ans. Euh, la, le groupe lyot a, a déposé un amendement de rétablissement, c'est-à-dire pour que euh, on puisse revenir à la retraite à 62 ans. Est-ce que vous souhaitez que la présidente de l'Assemblée nationale fasse jouer l'article 40 de la Constitution et juge cet amendement euh, irrecevable sur le plan financier Moi, je n'ai pas d'injonction à donner à la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai été ministre des Relations avec le Parlement. Simplement, je dis ce que j'ai dit il y a six semaines c'est que manifestement euh, l'article 1 il vient, il vient ajouter une charge complémentaire au budget de l'État ou une perte de recettes ça dépend de la façon dont on peut le lire et que l'article 40 prévoit que dans ce cas là c'est irrecevable vous voilà, n'êtes pas sûr que Yael pivet Non, mais je... non, certaine... non mais moi, je... je vous pose la question vous <coughs> n'êtes pas sûr à ce stade Je n'ai pas, pas dit ça du tout je dis juste que je ne viens pas donner des leçons on a l'impression quand même que le gouvernement a tordu le bras à la présidente non, de l'Assemblée nationale. Je, non, je ne crois pas Je ne crois pas ça du tout. Bah, elle a changé d'avis, quand mais, même. Mais qu elle puisse, une une, une mais, première attendez. fois, elle, elle n'a pas pris la J'ai été mis ou... des Relations avec le Parlement, donc vous ne vous trouverez pas sur le terrain d'aller donner une injonction au Parlement. Parce que c'est la règle, il faut qu'on essaie de respecter. Mais vous avez reçu des injonctions, faut... peut-être, quand vous étiez... Euh... Non, non je n'ai jamais reçu d'injonction. J'ai jamais reçu une injonction. J'ai essayé de convaincre, parfois, sur certains sujets, j'ai essayé de trouver des équilibres pour que des textes puissent passer, de faire qu'il y ait un dialogue entre la majorité et le gouvernement, parfois entre la majorité, l'opposition et le gouvernement, ça c'est le boulot du MRP. Est-ce si que vous dites, vous, que c'est irrecevable Mais ça? Moi, je dis que si vous lisez la Constitution, structurellement, si ce texte était voté avec un article 1 comme il est rédigé et qu'il était au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel le censurerait un seul motif, le motif de l'application de l'article 40. Alors vous avez peut-être lu le journal Le Monde, il euh, y a une tribune de Charles de Courson, donc qui est député du groupe LFI et qui porte cette proposition de loi euh, qui est soutenue par l'ensemble de la Nupes et dans cette tribune il y a écrit que la jurisprudence veut que l'examen se fasse sur la base de référence la plus favorable à l'initiative parlementaire. Est-ce que vous reconnaissez que cette irrecevabilité de cette proposition de loi, elle n'est pas dans la pratique parlementaire. Bon, euh, écoutez, l'article 40, il a déjà été invoqué sur un certain nombre sur de. Sur des amendements, beaucoup moins sur des oui, propositions bah là, de là, loi. On est, là, on est sur un amendement oui, enfin, bah, sauf que. Et pardon, il y a eu un vote en commission qui a supprimé l'article 1. Il y a un amendement qui relève de l'article 40. Mmh. Voilà, c'est tout. L'idée, c'est quand je... même de balayer cette proposition. Moi, je vais, vous dire, je, je vais vous dire, il y a, il y a quelque une... chose sur le fond, au-delà de, du euh, débat. Il est de jurisprudence. Je vous lis le, le texte parce que c'est important. Il est de jurisprudence constante que cet examen se fasse sur la base de référence la plus favorable à l'initiative parlementaire. Oui. Très bien. Alors, il est, je rappelle que Charles de Courson disait, pour lequel j'ai plutôt grand respect, parce que je l'ai connu dans d'autres temps et en d'autres lieux, et, et servant d'autres causes, à la vérité, y compris des équilibres budgétaires. Mais peu importe, on a le droit de changer dans sa vie. Euh, il nous expliquait aussi que, par nature, le Conseil constitutionnel allait censurer le texte, parce qu'il y avait des tas de motifs de, de censure. Il a été même à l'initiative de, 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 de renvoi au Conseil constitutionnel du texte. Avec d'autres, euh, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé. Donc, je... laissons les constitutionnalistes. Attendez, laissons les juger. Et ce n'est pas la lecture que je fais. Et je suis pas sûr que euh, Charles de Courson puisse avoir une lecture qui puisse s'opposer. Okay. La proposition ça et deuxième, de loi sur le bien vieillir, et de, et de, et de, et il n'est pas l'arbitre de la règle parlementaire. Ouais, je je que pense vous que vous l l de la règle parlementaire, c'est les parlementaires par leur vote. Et c'est le Conseil constitutionnel ou la Constitution en tant que telle, par, par ce qu'elle propose et ce qu'elle dit, y compris dans la jurisprudence, elle est exprimée. Et sur le fond, on voit bien qu'il y a un sujet. Parce que la question qui est posée par ailleurs. Dans les niches parlementaires, attendez... les initiatives, vous le savez non, mais, très bien. Il mais, faut qu'on avance. Si, si, vous... si, si vous ouvrez la boîte à des niches parlementaires en permanence qui viennent rajouter 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards, à la fin, c'est collectivement l'irresponsabilité qui règne. Parce que s'il suffit, suffit juste de dire j'augmente la taxe sur les tabacs, d'abord. Je dis à ceux qui. Consommateur de tabac, ce que je ne conseille pas, mais euh, le. On, on dit quelque chose qui est faux aux Français. Et la seule question qui a à poser, me semble-t-il, y compris à Charles de Courson, c'est comment on équilibre le système de retraite. Vous, Simplement, ce qui est c'est l'abrogation. Vous n'auriez pas préféré qu'il y ait un vote, au moins un seul vote, sur tout le parcours parlementaire de cette réforme des retraites. Alors, effectivement, il aurait pu être défavorable pour le gouvernement, mais au moins le Parlement aurait pu s'exprimer. Ça n'aurait pas je, été je, finalement ce que je regrette, c'est que, que euh, l'esprit de responsabilité a échappé à un certain nombre de gens. Je ne parle pas des gens de la NUPES pour un certain nombre d'entre eux qui qui courent derrière la dépense sans avoir la moindre conscience de ce que ça peut produire pour les Français parce que si vous n'êtes pas capable de rembourser votre dette, c'est pas les plus riches qui sont les plus pénalisés, c'est les plus pauvres. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les pays qui ont fait défaut sur leur dette ou qui ont eu des taux d'intérêt contre-montrés, ça n'a jamais été les plus riches qui ont été pénalisés, ça a toujours été les plus pauvres. Et donc j'aurais plutôt espéré qu'on ait un esprit de responsabilité. Ceci dit, je considère que il y a eu le 49.3, c'est une procédure parlementaire et il y a eu un vote bien sur bien. le 49. -3. Alors, Tam. Oui, on continue à parler quand même Conseil constitutionnel et la réforme des retraites parce que le groupe Liot, Bertrand Pencher, a... Qu'il saisirait le Conseil constitutionnel parce qu'il n'y a pas eu de, justement, de, de vote sur la réforme des retraites. Est-ce que c'est quand même quelque chose que, que, que Mais vous il craignez? Il a déjà été saisi, oui. le, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis oui. sur la réforme des retraites, y compris sur le fond. Est-ce que c'est un texte dont l'application, ça revient à nos décrets, est bien pour 2023 Il a censuré un certain nombre de mesures considérant qu'il ne devait pas être dans ce texte, il a été dans son rôle. Et le Conseil constitutionnel dites... a jugé sur la procédure. Alors. Je veux bien qu'en permanence, on mmh. essaie de refaire les débats et les matchs, mais ce pays a besoin de stabilité et de cap, et je ne pense pas qu'on sert cette cause-là. Il faut que ça s'arrête. Je trouve que le débat parlementaire dites... a été long, et puis par ailleurs, pardon, les mêmes qui nous expliquaient que 15 jours ou 3 semaines n'étaient pas suffisants pour se traiter de ce sujet éminent des retraites, on a quand même fait plus de 15 jours de débat à l'Assemblée mmh. nationale, beaucoup d'heures, un temps aussi significatif au Sénat, viennent vous expliquer qu'en une journée... On peut traiter de la question de la responsabilité. C'est uniquement l'article 7. Oui, ben, mais hein. ça c'est l'irresponsabilité. C'est je je suis bordel, prême, je change rien et après on verra. Ben non. Quand on est un responsable oui, public, on doit aussi trouver les solutions pour équilibrer le système. En fait, c'est pas ce qu'on a sous les yeux. On gagnerait tous à être responsable. Je vous assure que dans ce pays, on gagnerait tous à être responsable, même si c'est parfois avec la charge de l'impopularité. Alors la alors, sécheresse. Oui, alors après une année de sécheresse un, un peu hors norme, il a récemment plu. Euh, est-ce que cette pluie a amélioré la situation Est-ce que les nappes phréatiques se sont remplies ou est-ce que la, la situation est encore euh, dans un, une situation un peu catastrophique aujourd'hui Alors d'ailleurs, d'abord c'est assez disparate. Euh, globalement, il a plutôt euh, mois de janvier plutôt plus pluvieux, février très sec, mars, avril plutôt pluvieux et en mai plutôt sur le sud pour le coup, qui était notre sujet de préoccupation plutôt de la pluie. Euh, ça ne fera pas remonter le niveau des nappes. Mmh. Simplement, ça empêche, parce que le niveau des nappes, les nappes se remplissent à l'automne, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février-mars, ou plus tard, on dit début avril, pour ce qui est des nappes profondes en particulier, ou les autres nappes. Donc ça ne fera pas remonter le niveau des nappes. En revanche, ça permet d'éviter d'avoir recours à l'irrigation, d'avoir des tensions sur l'alimentation en eau potable, et donc ça permet dans certains territoires, mais ne faisons pas d'homogénéité, parce que je pense en vous parlant à la situation du bassin méditerranéen en particulier. Euh, Pyrénées-Orientales, Aude ou Héro, où la vu. pluie qui tombe n'est pas suffisante aujourd'hui pour couvrir le besoin et où les, les agriculteurs en particulier, mais d'autres aussi, sont dans une situation de très grande fragilité. Quels sont les départements Combien de départements qui sont euh, touchés en fait bah, Les plus touchés, c'est alors après, il y en a qui sont en vigilance, mais mmh. c'est un processus normal que de mettre en vigilance. Je reviens de la Gironde et, et de la Charente, où les, les départements sont en situation de vigilance. Vigilance, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on essaie de de modérer, de mettre en vigilance tout le monde sur les, sur les usages de l'eau, mais on n'est pas encore en situation de crise ou de crise exceptionnelle. Et donc, il euh, y a 5 six départements qui sont l'objet d'une attention particulière sur le bassin méditerranéen. Il y en a un peu plus qui sont en situation de vigilance, mais on ne va pas découvrir aujourd'hui que chaque année les préfets procèdent à des situations de vigilance mmh. et de crise. Le sujet, c'est à la fois de gérer cette crise-là et en particulier les quatre, quelques départements qui sont très durement touchés. J'étais l'autre jour chez un viticulteur, responsable des vignerons indépendants, à Fitou. Dans l'Aude, euh, il était tombé 95 mm en un an, en 13 mois, euh, sans irrigation possible. 95 mm en un an, c'est la, la vigne elle-même qui risque de disparaître mmh. sur, des, sur des vignes. Et donc là, on a quelque chose à regarder de ce qu'on peut faire tout de suite. Et puis, le sujet principal, c'est de regarder dans le long terme quels sont les systèmes qu'on va rendre les plus résilients possibles pour faire face à des épisodes de sécheresse ou d'inondation, d'ailleurs. Hein. Euh, en tout cas, une arithmique climatique qui va rendre l'agriculture plus fragile. Si on parle des conséquences sur les particuliers, par exemple, est-ce que dans dans le département des, des Pyrénées-Orientales, par exemple, il y a plus de, de piscines hors sol depuis le, le 10 mai, c'est interdit. Est-ce que ça va se poursuivre, s'étendre à d'autres départements bah, Ça va se poursuivre là dans les Pyrénées-Orientales et ça s'étendra en fonction, c'est Christophe Bouchard. Ça va se poursuivre euh, à... encore des semaines tout l'été. Mais... Non, Mme Martichou, j'ai du mal à répondre à cette question-là parce que je ne sais pas la météo au-delà de 15 jours. Euh, S'il tombe 100 mm, alors on annonce plutôt encore de l'eau mmh. euh, la semaine prochaine ou les 15 jours qui viennent au sud. Mais je répète, ça ne va pas remplir les nappes, euh, ça évitera et ça permettra de retrouver quelques étiages dans les cours d'eau. Mais on a un été difficile à passer sur ces régions-là. Et sur les autres, il faut quand même qu'on ait une pluviométrie. Désormais, c'est dans le nord qu'on manque d'eau. Il y a trois semaines, on ne pouvait pas planter. Euh, c'est quoi une mauvaise météo La vérité, c'est une mauvaise météo, c'est une météo qui dure trop longtemps. C'est trop de sec, trop d'eau, etc. Donc, on a besoin de raisonner sur le court terme à des mesures comme celles qu'on fait sur les piscines, parce que tout le monde doit être appelé à faire son effort. Il était incompréhensible que on dise aux agriculteurs des Pyrénées-Orientales, vous devez faire un effort sur l'irrigation, parfois avec des interdictions sèches. Hein. Mm -hmm. Et puis qu'on dise, on continue à remplir les piscines pour nos loisirs. Il faut que chacun fasse sa part de l'effort. Et je pense que c'est, vous voyez bien, avec la façon dont je le dis, il faut arrêter de jeter, montrer du doigt les uns les autres. Je ne jette pas le, mets pas le doigt sur ceux qui ont des piscines, ou des piscines gonflables, ou les campings de tel ou tel endroits qui ont besoin, qui, ont, qui utilisent l'eau, ni les agriculteurs. Il faut juste que chacun, en raison, dise, je dois faire ma part. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on essaiera de mieux anticiper les situations qu'on connaît. Alors on va parler également euh, pesticides, Marc Feno, euh, Il <laughs> y a une séquence hein, qui a été tournée au Sénat par le média euh, Vakita qui fait le tour des réseaux sociaux. On va la regarder. Alors vous avez plaidé l'ironie hein, sur cette séquence. Est-ce que c'est très habile de parler de façon ironique dans le contexte actuel euh, de recourir à ce registre alors que c'est un enjeu très sensible que celui des pesticides. Vous voyez, vous avez un très beau modèle. J'ai pas envie de commenter longtemps parce que les réseaux sociaux c'est pas la vie normale. Hein. Mmh. J'ai pas très envie de commenter longtemps une vidéo qui est sortie de son contexte, parce qu'il n'y a pas le match aller où votre consoeur et votre confrère m'avaient badiné sur le même thème en disant vous êtes le défenseur de tel modèle. Je, moi, je ne reprends pas leurs propos, parce que, mais c'était sur le ton de la, de, de, de la plaisanterie auquel j'ai répondu par une plaisanterie. Bon, euh, résultat des courses, on monte en épingle quelque chose, oui. comme si moi, ministre de l'Agriculture, euh, citoyen engagé, j'avais une autre stratégie que celle que je déploie tous les jours, qui est celle d'essayer de, de réduire les pesticides. Alors que certains essaient de monter en épingle ce sujet. Parce pas de mea culpa Je pense que c'est une maladresse, ouais. cette, cette ironie, ironie sur monde, le pesticide. Ouais. Euh, avec des gens qui sont la police de la pensée et avec lesquels, en réponse à une ironie, si aucun d'entre nous autour de cette mm. table n'a eu d'ironie sur tel ou tel sujet, euh, non, je ne vais pas Mais un mea culpa vis-à-vis -vis des gens qui Non, mais il mais... y a des règles dans la communication aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, hein, euh, euh, la loi est dure, mais c'est la loi. Pardon. Et vous n'allez pas chercher une, une phrase sortie de son contexte qui est adressée à d'autres journalistes sur le ton d'ironie ouais. parce que vous avez posé des questions ouais, ironiques en début. C'est ce pas du journaliste, pas forcément du une, une question de fond, parce vidéo. que vous dites que vous êtes pour la réduction de l'utilisation. Je le fais, c'est pas que je suis pour, est, voilà. je, on, on est sur ce chemin-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes un défenseur des pesticides hum. entre et bien, la position que vous avez eue sur les néonicotinoïdes, vous avez voulu les reports, bien sûr, il y a eu un moment ça n'a plus été possible, et ensuite sur le s métholachlore où vous vouliez aller contre la vie de l'Anses. Qu'est-ce que vous, vous répondez voyez, Le problème dans ce sujet-là, c'est qu'on est dans la caricature. Mmh. Jamais vous m'avez entendu dire quand il y a eu la décision de l'Europe sur les néonicotinoïdes, vous-même. Le J'ai dit c'est terminé faut qu'on trouve des alternatives et qu'on trouve des sujets. Donc, ne venons pas se faire mais des vous non, Mais le gouvernement, ça, ça, ça on prêté Oui, année parce que c'était la report. loi qui avait été votée. Oui. Et que je disais... Alors, pardon, je disais une chose qui était simple. Je disais, est-ce qu'on a des alternatives euh, aujourd'hui euh, généralisables La réponse est non, on est sur un bon voilà. chemin. Et donc, on a besoin de la troisième année de dérogation, parce que c'était ce qui avait été voté dans la loi, c'était l'engagement ouais, qu'on avait pris collectivement. Euh, donc, euh... Il y a une décision de la Cour de justice, je l'applique et je n'y déroge pas. Et quant au sujet du S-Métho-Lacloir, c'est marrant comme on n'arrive pas à dire des choses assez... Alors, une seconde. Ben Feno, vous savez que tout à l'heure, et vous avez accepté le principe du débat avec un sénateur qui va, socialiste, qui va vous interroger longuement sur les pesticides. On a encore une question au moins euh, à vous poser, Brigitte. J'espère que vous je prendre... répondre. Sur... Oui, oui, oui. oui. Euh, ben, je prends l'engagement. Alors, on va parler du bio, du coup. On va passer au bio sans pesticides. Les conclusions de l'agence bio euh, la semaine dernière montraient une baisse de 6% des ventes, ce qui est quand même assez important. Euh, vous avez présenté un plan à 200 millions d'euros. Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant pour euh, sauver une filière qui est très mal employée on a plusieurs sujets. On a une baisse de consommation qui est liée à la fois à l'inflation, avec un certain nombre de nos concitoyens qui ne peuvent plus accéder, donc une baisse en gamme, en fait, hein, et en gamme de prix notamment d'un certain nombre de produits. On a deux volets, une aide d'urgence de 60 millions qui vient se rajouter aux 10 millions qui avaient été indiqués déjà par la Première ministre, et deux, ce qu'il faut, c'est qu'on soutienne la demande. Le sujet n'est plus l'offre. Euh, je rappelle qu'on a, a, comment... qu a doublé les surfaces en agriculture euh, biologique sous le quinquennat précédent oui. d'Emmanuel Macron. Donc je veux bien que tous ces gens-là viennent nous donner des leçons. Mais nous, nous avançons. Mm. Qu'on a donné mm. un objectif de passer de 10%, ce qui est le cas aujourd'hui, à 18% des surfaces les dans l'agriculture. C'est comme ça qu'ils n'ont pas de débouché aujourd'hui. Oui. Les gens oui. ne veulent oui. plus oui. acheter cela. Comment oui. vous ce faites qu fait pour non, fait que les... Les... ça devienne accessible pas... pas... pour les gens vous, en fait. vous, vous ne créez pas le débouché à, à coût de centaines de millions de milliards. Pour créer du débouché, il faut qu'on fasse, et c'est le dialogue qu'on aura avec l'agence bio qui dépend de l'État, c'est une agence de l'État. C'est de faire en sorte qu'on ait une communication qui soit plus proactive pour montrer l'intérêt du bio et y compris ce qu'on n'a pas vu à l'époque. Parce que la baisse du bio de la consommation de bio elle date de la Covid. Pourquoi Parce que sous Covid, on a beaucoup développé les uns et les autres. D'ailleurs, les circuits courts, les circuits de proximité, bio ou conventionnel. Et donc, on a besoin de, si vous me permettez cette expression, de, de redire en quoi le bio lui-même est un produit de, de proximité. Vous voyez, mais un il est cher. Est-ce qu'il ne faut pas oui. mettre de l'argent dans des pas, aides alimentaires mais, mais pas, au bio, alors, ou attendez. fléchir c'est pas, pas forcément une question de, de, de c'est une question de prix pour un certain nombre de Français mmh. qui n'ont pas les moyens. C'est une question aussi d'image collective qu'on doit porter. Le bio, c'est pas forcément plus cher. Ça dépend, ça dépend des catégories. Euh, bah, si, c'est pas forcément cher, plus, cher. Hein. plus cher. Deuxièmement, il faut que la grande distribution, pourquoi sur les, les produits bio la marge produite par la grande distribution est plus grande que sur les produits conventionnels. C'est une bonne question parce qu'après tout, si on, on veut soutenir, on devrait faire la même marge parce qu'une tomate bio, une tomate conventionnelle, pourquoi la marge est plus importante sur le bio Parce qu'on s'est mis dans la tête que c'était un produit qui était adressé qu'à des gens qui avaient les moyens. Mm -hmm. Et donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut dire c'est à la fois l'intérêt qu'il y a à développer le bio en France. Il y a d'autres modèles mais le bio est un modèle intéressant et le deuxième sujet, c'est d'essayer de stimuler la demande en essayant d'expliquer ce que c'est. Et donc on le fait. Il faut que l'État soit exemplaire, 60 ou 60, 70 millions d'aides d'urgence. Et deuxième élément, pardon, je suis juste là-dessus parce que oui, c'est oui, important, c'est de stimuler la demande par la commande publique. Dans Quand les, les, cantines, de faire dans les cantines Non, la commande publique ah, non, de l'État. Parce que moi, je ne viens pas donner des leçons ouais. aux autres. Vous Déjà, il faut, faut que l'État applique dans ses hum. propres cantines, dans sa propre restauration, la loi Egalim. Vous à combien de le Au niveau national, on est à 7% sur le bio, donc on doit atteindre les 20%. Mais là, au niveau de de l'État, C'est ce que je vous dis, on est à peu près dans la moyenne nationale. il y a une marge. Et donc, on a. Essayons de. Moi, je ne fais la leçon à personne. C'est compliqué Merci. parce qu'il faut trouver que les prestataires le fassent. Et donc, on a besoin, nous, au niveau de l'État, de faire cet effort. Puis après, sans donner la leçon aux collectivités locales, que c'est un effet d'entraînement sur les collectivités locales. Parce que les 120 millions de demandes supplémentaires qu'on met sur la table pour la commande publique, c'est la commande publique de l'État. Mais après, il y a tout le reste de la commande publique qui peut aussi stimuler le bio. Il faut stimuler la consommation ouais. de bio. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup, Brigitte et Etam. Et, et, et Dans un instant, évidemment, Yves Tréard va nous rejoindre. Mais d'abord, on rejoint en direct du Figaro Live, Vincent Roux, bonsoir Vincent. Est-ce que vous êtes là Vincent Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à vous, monsieur le ministre. Vincent, normalement, bonsoir. apparaît là, mais non, euh, là aujourd'hui. Si. Voilà, le voilà. Euh, bonjour, bonsoir à vous Vincent. Votre ah. question au ministre. Bonsoir. Bonsoir Marc Fesneau. Euh, je voulais qu'on revienne sur la note de Standard Poor's, donc, euh, qui est de AA euh, et perspective négative. Est-ce qu'il euh, faut s'en satisfaire, comme l'a fait euh, Jean-René Cazeneuve, le rapporteur du, du budget euh, Est-ce qu'il n'y a pas encore quand même des, des mesures euh, à prendre pour euh, améliorer cette note euh, je ne sais pas ce qu'a dit Jean-René Cazeneuve, que je connais bien et qui est très vigilant sur les questions budgétaires. C'est plutôt satisfaisant qu'on ait une note stable. Est-ce que on ça est veut dire. Attendez. Il en eh... était. Mais non, mais il je dire... satisfait de cette. De eh... cette Est-ce qu'il faut, faut. On peut à la fois dire que la note, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait les effets que ça peut avoir sur les taux, mais ça ne veut pas dire. Nous allons avoir des réunions avec, sous l'autorité les... sous de la Première ministre pour regarder comment on tient notre budget dans un cadre budgétaire. La réforme des retraites, elle participe, d'ailleurs, la Standards Poor's le dit, euh, d'une un, tendance et d'une volonté collective que nous avons de rétablir les finances publiques de ce pays. Donc c'est satisfaisant à tenter et sur le temps long ça nécessite plutôt de poursuivre l'effort plutôt que de le relâcher et donc on a besoin de continuer cet effort de déficience de la, de, la, de la dépense publique et de réduction là où on peut de la dépense publique. vous êtes satisfait vincent? alors où il, faut ça, où il faut concentrer cet effort? alors on est dans un travail qu'on fait en interministériel de regarder. Il y a un certain nombre de dépenses, parfois des dépenses fiscales qu'on peut réorienter vers, la, vers, vers des mesures en termes de transition écologique. C'est plutôt là qu'il faut le faire. Mais par ailleurs, il faut aussi assumer ce qu'a toujours assumé le président de la République. On ne peut pas à la fois dire ça. On a une loi de programmation militaire, on a une loi de programmation de sécurité intérieure. On a des besoins en termes d'éducation nationale et donc il faut stimuler par une évolution parfois de la fiscalité. Et puis parfois, il faut regarder dans chaque. C'est pas moi. Il va faire cet exercice-là. Je le fais pour ce qui est du ministère de l'Agriculture actuellement, de regarder là où on peut avoir une dépense, une dépense qui soit plus efficiente. Mais réforme de l'assurance chômage, euh, réforme de, des retraites, euh, le, le plus haut taux d'emploi, c'est une façon aussi de créer de la richesse. Et de lutter contre le déficit public. Merci beaucoup, Vincent. À tout à l'heure, bien sûr. Yves Tréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir. C'est à vous. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Marc Fesneau. Bonsoir, Yves Tréhard. Alors, euh, ça vous a pas échappé que la période était quand même assez compliquée pendant cet hiver avec la réforme des retraites, et on sent que le président de la République là veut reconquérir le cœur euh, de, de l'opinion publique. Est-ce que c'est une bonne façon de le faire, non pas en parlant du quotidien des Français, ce qui fait quand même un peu, mais beaucoup d'histoire. On voit que là, il est dans une séquence mémorielle. Aujourd'hui, il est euh, en train de, fêter, de célébrer les 1000 ans de l'abbaye la, de Mont-Saint-Michel. Au mois de mai, il a, il a rendu hommage à Jean Moulin et au Conseil national de la résistance. Demain, il va sur les plages du débarquement. Il y aura aussi... Euh, un hommage au réseau Manoukian euh, à l'occasion du 18 juin. Euh, vous croyez qu'en parlant aux Français de la grandeur de la France, de l'histoire euh, et de la mémoire, on, 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 on accroche leur, euh, leur, leur vote Je ne crois pas que ce soit la volonté du président de la République. D'abord, euh, les faits historiques s'imposent à nous. Les 1000 ans du Mont-Saint-Michel tombent là, pardon. Oui, mais on n'est pas obligé de les célébrer. Non, mais on peut considérer qu'il y a quelque chose dans l'inconscient collectif en France, la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel. C'est français, tout ça. Hein. Bah, on n'arrête a... pas de commémorer, nous. Mais enfin. nous sommes Tous un pays qui... hein. so... C'est pour ça que je suis très méfiant à l'endroit de ceux qui veulent en permanence revisiter l'histoire et nous dire que ouais. nous ne devons pas être fiers de. Il faut être fier. Attendez, vous me posez une question, je vous ai. Là... Il Mais... faut être fier de. Ça fait partie. Ah, de... C'est la réponse à la cancel culture ah. et. et... Oui. Je ne sais pas si c'est la réponse. À la cancel... on est... on... Le président de la République et nous autres qui sommes au gouvernement et la majorité ne passent pas son temps à essayer de répondre à la cancelle culture. Mais que nous. Fassions notre chemin sur ce qu'on pense être les, les données historiques. Euh, ce qui a été fait sur le Conseil national de la résistance, c'est parce que nous célébrions les 80 80 ans. Hein? Donc mmh. euh, ça, c'est l'effet historique. Mais pour avoir vu le président de la République discuter avec lui encore euh, quand nous étions dans le Gard, par exemple sur les feux de forêt, et sur la question des moyens pour les feux de forêt, euh, c'est un exemple, c'est un exemple très concret. Je peux vous garantir que dans le dialogue que nous avons eu, euh, on a parlé plutôt de sujets concrets, sujets agricoles, euh, entre autres euh, sujets environnementaux, plutôt que. Mais on peut à la fois mmh. célébrer la France dans ce qu'elle a, dans son histoire profonde et dans son histoire, euh, sa grande histoire, oui. et en même temps s'occuper des Français. Ce n'est pas antinomique. Et vous voyez bien que sur beaucoup de sujets, sur les questions des retraites, il s'est exprimé à plusieurs reprises. Euh, il y avait aujourd'hui Aujourd'hui, un conseil national de la refondation sur les questions de logement avec un certain nombre de mesures, vous voyez bien qu'on peut faire les deux sans se venir à chaque fois dire... Alors, quand il est sur un sujet très, très concret, on dit qu'il s'occupe de tout. Quand il est à s'occuper de l'un et des sujets historiques, on dit il fait trop d'histoire. Enfin, il faudrait qu'on essaie de simplement regarder de façon tranquille le fait qu'il y a des moments historiques qui sont à célébrer, parce que c'est l'histoire de France. Oui. Et puis ça oui. n'empêche pas vous de s'occuper du sujet des Français ah. Parce que euh, les, les dates historiques, on les dites, connaît. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Bah, on voudrait savoir quand est-ce qu'on commence cette réforme de l'immigration. Euh, ce texte de loi qui est, nous est promis à euh, intervalles réguliers, euh, dont on connaît assez mal les contours, avec une Première ministre qui n'a pas l'air très emballée par le dossier. Mais euh, ça, on voudrait le savoir, par exemple. Quand est-ce qu'on va aborder le, le sujet le, le, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, travaillent à regarder comment on peut avoir un texte qui puisse susciter l'adhésion la plus large possible. On ne peut ouais. pas à la fois se dire Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas travailler avec les oppositions avec ma majorité. Donc quand on, on estimera qu'on a quelque chose qui est un point d'équilibre intéressant, à ce moment-là, il pourrait y avoir le texte. Mais... Votre problème, c'est l'opposition. À l'intérieur de la majorité. Ce, ce, non, on est avec non, ça. non. C'est le président a... de la commission des lois, justement. Oui, mais ce n'est pas, pas une opposition. On peut avoir des débats. Non. Enfin, moi, je l'ai dit quand j'étais en relation avec le Parlement. Il faut qu'on accepte dans une majorité, mais aussi avec les oppositions de la, de la majorité, majorité relative, qu'on puisse avoir des débats, essayer de trouver un chemin sur ce sujet-là. C'est un sujet suffisamment sérieux, sur lequel tout le monde bute depuis 40 ans, mm -hmm. pour qu'on essaie de se dire est-ce que, est que collectivement, on ne peut pas se dire, voilà le train qu'on veut avoir, sans avoir en permanence des virages d'un quinquennat ou d'un d'un quinquennat à l'autre est-ce que, est que vous allez reprendre certaines propositions de parti Les Républicains, euh, notamment sur un changement de la Constitution ou euh, sur d'autres dispositions qui, vous paraissent, euh, qui pourraient vous paraître <coughs> acceptables J'ai déjà beaucoup de sujets, donc mais je vais vous. Non, mais vous. J'ai des idées, votre vous savez, je, je peux être mmh. à 360 degrés. Qu'on essaie de regarder avec les Républicains quels sont les points. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait aussi dans le dialogue qui peut y avoir avec le Sénat oui. Oui. sur ces sujets-là. Euh, après, il y a des principes de base. N'essayons pas d'engager des sujets constitutionnels quand on sait qu'on n'a pas de majorité constitutionnelle. Mm -hmm. N'essayons pas, euh, pas nous, hein, l'opposition, elle a l'air non plus. Euh, Essayons de ne pas nous affranchir des traités européens. Euh, c'est mieux, moi, je pense, quand on a des traités aussi, aussi sensibles, aussi difficiles, sur lesquels tout le monde bute depuis des années, mm -hmm. d'essayer de trouver des chemins qui soient des chemins crédibles. Parce que sinon, ceux qui nous regardent et qui nous entendent, ils disent, à chaque fois, ils font du déclamatoire. Oui. À chaque fois, ils promettent. Et à la fin, on recule. Donc mm -hmm. le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on essaye avec les LR. Avec d'autres, parce qu'il n'y a pas que les LR. Il y a aussi peut-être sur la frange plus à gauche de l'hémicycle de des gens qui peuvent en conscience considérer que nous sommes en situation d'échec à la fois contre, pour lutter contre les flux, les flux migratoires de ouais. clandestins d'État. Le gouvernement, et par est pour en vous le dites ça, le gouvernement est en situation d'échec. Vous devez de le dire. Mais nous sur sommes sur l'immigration. Nous sommes collectivement. Je vois bien la reformulation que vous voulez me faire faire, mais je connais trop l'exercice. J'ai pas. Dit collectivement. Mm -hmm. Euh, L'objectif que nous assignons tous, c'est une difficulté. La reconduite à la frontière est un est, est, un, est un sujet complexe. Euh, L'intégration est un sujet complexe. Alors, il faut qu'on essaye de travailler et d'améliorer les choses. Est-ce que vous, si on ministre, pensait que c'était parfait, on ferait pas de texte Ministre de l'Agriculture, parce que vous êtes concerné au premier oui, je chef. Est-ce que dans les métiers en tension, il faut régulariser mais, Alors, c'est pas forcément seulement. C'est ça qui divise aussi. Oui, hein. mais c'est pas forcément des sujets de régularisation. C'est aussi de faire en sorte que quand on fait venir, par exemple, de la main d'œuvre. Euh, de l'autre côté de la Méditerranée, parfois c'est beaucoup de la main-d'œuvre européenne, donc c'est un sujet d'une autre nature. Oui. Mais quand on est sur des, des, des travailleurs saisonniers qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, principalement, qui ne sont pas dans l'espace Schengen, de faire en sorte qu'ils viennent bien pour le travail et que ça ne vienne pas euh, comment alimenter euh, le, le, comment un flux migratoire qui sont un flux migratoire de gens qui s'installent dans la clandestinité, si je peux dire. D'accord. Voilà. Alors est-ce que vous ne seriez pas en mesure. Peut-être de légiférer sur ce terrain avec un gouvernement peut-être davantage homogène, avec une, un premier ministre ou une première ministre qui soit davantage en phase avec le président de la République sur ce sujet. Mais je ne vois pas qu'il y ait pas de, y de distorsion de phase. En tout cas, je n'y ai pas assisté. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est trouver un point d'équilibre. Alors, alors, je vois bien que vous, oui. vous voulez me faire rentrer dans. Le moment joyeux que j'ai vécu plusieurs fois, qui est le moment où on spécule, parce que c'est souvent c'est souvent un sujet. Pré... Ah oui, parce que le 14 juillet a C'est souvent, arrive. oui. Alors le 14 juillet, souvent Ça, un moment propice. le président de la République, qui nous a dit 100 jours. Il a donné rendez-vous à, dit, à rendez Elisabeth Borne. Il a pas dit. Ouais. Euh, alors on, on a tous une imagination galopante. Il a pas dit ouais. dans 100 jours on change de gouvernement. Ouais. On change oui, mais de... 100 jours, c'est. Il lui a quand même ouais. il lui a quand même donné une feuille ouais. de route en disant oui, on verra nous, à ce moment-là. Nous moment est en train de déployer une feuille de route sur un certain nombre de sujets, mais pas sur l'immigration donc. On est en train d'essayer de trouver les conditions. d'un chemin sur l'immigration. Mais ce qu'on fait sur les questions de logement, ce qu'on fait sur les questions de carbone, les transition euh, oui. énergétique, c'est des sujets sur lesquels on a avancé. Ça faisait partie de la feuille de route. Alors le si dernière, dernière question, question, dernière question. Minute. Alors, bah, on dit, on dit, hein, que vous n'êtes vous pas. vous savez, dans le monde vous dans êtes pas on... heureux au ministère de l'Agriculture. Vous, je... vous, pourriez changer. Oui. Je, je suis très heureux au ministère de l'Agriculture. D'abord. Il y a quelque chose qui est toujours indécent quand vous êtes ministre de dire vous pourriez changer ou vous faire faire part de, de, de désidérata quelconque c'est le président de la République la première ministre le premier ministre qui décide c'est la Constitution là aussi c'est la règle de la Cinquième République oui. Je suis très heureux au ministère de l'Agriculture pourquoi parce que j'essaie de transformer l'agriculture de mieux faire comprendre à nos concitoyens ce qu'elle travaille. il y a toujours des bons esprits alors J'adore le sous couvert d'anonymat et nous sommes beaucoup de ministres avec beaucoup de sous couverts d'anonymat. Il y a toujours des bons esprits qui un vous un veulent du bien. Dans un journal, oui, hein, dans oui, un magazine, hein, avec mais... non sourcés, non identifiés et avec des gens qui vous veulent du bien. C'est le principe d'un écho. monsieur oui. le ministre. Oui, C'est le principe d'un écho et vous, quand vous regarderez, ils sont pas toujours vous invite, faux, M. 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 ils ne sont pas toujours faux les échos. Je vous invite à regarder dans les échos. En tout cas pour ce qui est de, 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 de comment dirais-je de la passion que je mets, comme vous le voyez sur les questions agricoles, euh, ne croyez pas l'inverse. Et par ailleurs, je vous invite. À regarder tous les échos qu'on a commentés parfois dans la vie publique depuis dix ans et à quel point. Est-ce que vous souhaitez 95... rester oui, ministre de l'Agriculture Est-ce que je vous suis souhaitez... heureux oui. Mais je, je suis heureux à ce poste et je suis heureux de ce que j'y fais. Mais je, n'est ne, pas mon destin qui prime et c'est pas moi qui décide. Et donc, donc... j'ai tendance à ne pas répondre à des questions sur lesquelles je ne décide pas parce que c'est vain. C'est approprié sert à rien. si je vous dis que vous êtes bien dans vos bottes alors. Je suis bien dans mes bottes. <laughs> <laughs> C'est un peu la bottes. saison tardive pour les bottes, mais ouais. on peut mettre d'autres chaussures. Voilà. Un peu, peu, un peu merci beaucoup. Merci, euh, merci. merci beaucoup, Yves Tréard. Euh, comment on fait pour manger moins de viande Est-ce qu'il faut qu'on mange moins de viande euh, Je vous dis ça parce que la Cour des comptes alors, a proposé euh, une solution radicale pour que la France tienne ses engagements en matière climatique. Euh, elle pense les qu'il les qu faut amoureux. baisser euh, les cheptels, le nombre de cheptels bovins qui représentent euh, environ 12% de ses émissions de gaz à effet de serre. Euh, Est-ce que cette proposition est de bonne loi Est-ce qu'elle est pertinente Non, mais je vais essayer de dire ch quelque chose d'équilibré. Je l'ai d'ailleurs dit euh, au Sénat dans une réponse aux questions au gouvernement. Il faut lire le rapport de la Cour des comptes. Parce que je suis en, dé en désaccord. Il n'y a que deux recommandations et je suis en désaccord avec les deux recommandations. La première, c'est plutôt d'organiser une forme de plan social. Et la deuxième, c'est d'organiser la décapitalisation du cheptel français. Mais sur le reste, je trouve que ce qu'il y a à l'intérieur de ce document, parce qu'il faut... D'abord, il ne faut jamais... Euh, Chahuter les, 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 les institutions et je l'applique à moi-même. Comme ça, je peux le dire aux autres que ça serait mieux qu'ils fassent pareil. Euh, y compris quand on a des désaccords. Mais j'ai un désaccord sur les recommandations. Mais il y a un certain nombre de préconisations sur le développement des élevages mixtes. Euh, la Cour des comptes dit par ailleurs que ça serait mieux que dans certaines zones, on développe plutôt l'élevage. Pourquoi Parce qu'on a besoin. Attendez. Mais je vais réduire finir. les cheptels, répondez-moi à la vais... Laissez-moi finir. Euh, elle a... On a besoin de remettre de l'élevage dans certaines zones. Pourquoi Parce que le. Euh, le... L'élevage, on en a besoin pour se nourrir. On n'est pas autosuffisant sur aucune des productions, à l'exception du porc. Donc on peut, on, si jamais on dit je décapitalise et que la consommation reste la même, ouais. c'est de l'importation que vous organisez. Deuxième élément, j'ai besoin de l'agriculture, parce qu'on a évoqué, on l'a pas évoqué, mais il y a un sujet par exemple autour des haies. Euh, les haies, c'est la biodiversité. Les haies, c'est la rétention d'eau. Les haies, c'est euh, la lutte contre l'érosion des sols. Il y a plutôt des haies dans les zones d'élevage. Donc on a besoin de euh, La stratégie bas carbone que nous avons, c'est une stratégie de maintien des prairies. Alors moi je veux bien qu'on me dise il y a qu'à mais si vous supprimez l'élevage, vous supprimez les prairies. Et moi j'ai besoin des éleveurs à la fois dans leur faction de production pour ne pas importer de la viande de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tendance lourde qui est une baisse de consommation de la viande. Que deuxième élément, on est en train d'expérimenter c'est des travaux d'Inrae, de c'est pas moi qui le dis une alimentation nouvelle à partir d'algues. Je ne rentre pas dans le détail mmh. qui va faire, qui dont on dit, l'Inrae est assez surprise elle-même de, des résultats qu'on peut baisser de 20 à 30 les émissions. De, de méthane en particulier. Et donc, il faut qu'on travaille plutôt là-dessus. Et par ailleurs, on a besoin de décarboner la fertilisation. En bio, la fertilisation décarbonée, c'est quoi C'est l'élevage. Bon, il faut, donc, garder, il faut se garder euh, des euh, idées simples. Vous mangez voilà. de la viande, vous Oui, je mange de la viande. Non, mais oui. La vous ne la... pourriez pas dire autre chose en tant que ministre de l'Agriculture. Non, mais euh, la il y a, y a, y a de des, des témoins nord. et des gens qui pourraient et... attester que ce que je vous dis est la vérité. Je ne sais pas si c'est le cas, Jean-Claude Tissot. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté, Monsieur le ministre et Monsieur le sénateur socialiste euh, euh, de la Loire, euh, le principe du débat. On va revenir sur deux sujets qu'on a un peu abordés. Et d'abord, on commence par les pesticides, Monsieur Tissot. Si vous voulez. Alors, allez-y. C'est à vous. D'abord, merci de votre invitation. Merci, Monsieur le ministre, et je suis très heureux d'être face à face. Moi aussi. Euh, parce qu'on a échangé longtemps, longuement durant le les semaines dernières au Sénat, mais c'était compliqué, nos, 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 nos échanges. Euh, bon, en on tout va cas, vous on laisser. Hein. Échanges, <laughs> on a eu des échanges <laughs> a de, a eu de bonne des qualité. Échange, voilà, c'est ça. Euh... Permettez-moi de vous dire, quand même, monsieur le ministre, que vous avez parlé dans la première partie de, de l'émission, vous avez parlé de responsabilité. Moi, je vais en appeler à votre responsabilité parce que vous tenez quand même un discours assez paradoxal quand on, on, on parle de produits phytosanitaires. Fin 2022, devant la Commission des affaires économiques dont je fais partie, au Sénat, euh, vous aviez tenu un discours plutôt ambitieux et, et j'étais plutôt satisfait du, du, du propos que vous pouviez tenir, et puis notamment sur les néonicotinoïdes, un sujet sur lequel je me suis beaucoup battu, et, et avant de devenir bien moins disant euh, en cette année 2023, notamment avec la phosphine et le s -métachlore. Mais lachlore. Euh, et, et comme vous le savez, je suis un ancien agriculteur, je ne vais donc pas tenir un discours euh, caricatural, mais je pense être assez, assez légitime euh, pour tenir un, un, un tel propos. Moi, vous, il y a eu deux plans éco-phyto, léco 1, l'éco-phyto 2. On a dépensé 700 millions d'euros. Quels sont les résultats Vous venez d'annoncer un plan éco-phyto 3. Et donc ma question va être très simple. Qu'y a-t-il dans ce plan éco-phyto 3 qui va pouvoir inverser la tendance Parce que quand on parle de pesticides, certes, on, parle, on pense à l'agriculture, mais il faut penser aussi à tous, tous les dégâts collatéraux des pesticides, c'est-à-dire essentiellement. Alors, pardon, parce qu'il ne euh, faut pas que ce soit non plus un, un échange d'initiés inverser la tendance pour que l'usage et le recours aux pesticides soient infiniment moins importants. Dans l'agriculture française Voilà, c'est ça, ça. ça. Donc, c'est votre question, voilà, ma question et est on claire. écoute la réponse. Aujourd'hui, on est quand même 32% au-dessus de la moyenne européenne. La consommation française de pesticides est 32%, 32 au-dessus de, de la moyenne européenne. européenne. C'est une mauvaise note. Alors, est-ce que d'abord, je peux, je peux deux secondes sur phosphine et s qu'on soit au clair parce que. Alors, ce sont deux pesticides. De, deux, oui, non. non L'un est un insecticide, ouais. l'autre est un herbicide. L'un sert à désherber, l'autre sert... Sur la phosphine, c'est un sujet très simple, c'est une molécule qui est interdite sur l'espace européen, qui est autorisée en revanche en dérogation pour les pays qui sont importateurs de céréales, au sud de la Méditerranée par exemple, et qui demandent, sauf à ne pas pouvoir ex importer chez eux, exporter chez eux, de la phosphine. Tous les pays d'Europe activent cela. Il m'a semblé qu'en Conscience, dans le moment de crise qu'on traverse avec une crise alimentaire mondiale, avec un problème de sécurité alimentaire, je considère que dans l'urgence dans laquelle nous sommes, et comme c'est une demande des pays d'accueil de ces céréales, pourquoi ils veulent de la phosphine Parce qu'ils ne veulent pas que des insectes venant de chez nous viennent sur leur territoire. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est leur préconisation qu'on applique. Et donc, ce qu'on trouve un jour des alternatives, j'ai aucune difficulté avec ça. Ça mais... fait dix ans qu'on parle des alternatives. Non, 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 mais ça dépend des produits. Ça dépend des produits, ouais, mais, mais sur les. Il y a des sujets qui sont plus simples, c'est plus compliqué, reconnaissons-le, sur les herbicides que sur d'autres produits. Mais. Je, je n'en rabats pas sur la volonté, mais je n'en rabattrai jamais sur l'idée que quand même, si jamais on ne peut pas nourrir ces pays-là, c'est d'autres qui le feront, en particulier Monsieur Poutine, et je pense qu'on partagera ce point de vue, et que donc en conscience, on a besoin de le faire. Et sur le tout la, la seule chose que j'ai demandé, j'ai n'ai pas remis en cause hein, jamais l'analyse scientifique. J'ai juste dit que ça serait... Jamais vous ne me verrez, M. Tissot, je vous assure. Oh, Croyez-moi, <laughs> en plus. Ah, tout je tout suis oh, bah, plutôt bah, de évidemment. bonne foi. Euh, Moi aussi. Oui, mais je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas. On ne va pas se faire un concours de bonne foi. Je non. crois qu'on est plutôt sincères dans nos Bien expressions. Sûr. Sur le s clore, le sujet, c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas le synchroniser avec le calendrier européen voilà, il va y avoir bientôt une décision européenne. Je trouvais que c'était, n'était pas indécent de dire ça parce que ce qu'on interdit chez nous, on ne peut pas l'interdire de produits venant d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne. Donc c'est vain ce qu'on fait. Si jamais on fait des choses, on n'arrive pas à monter les sujets au niveau européen, et y compris par exemple sur un certain nombre de réglementations européennes, je suis pour qu'on ait une réglementation européenne et qu'elle soit éventuellement plus ambitieuse, mais qu'elle soit au niveau européen. Sinon, c'est la France qui perd. Enfin, en attendant, vu... en attendant, c'est vrai que élément, vous... pour ce que dit M. question sur la question des Ecofito, c'est quelque chose qui est né du Grenelle de l'environnement, ça fait donc bientôt 2018. 15 ans. Ouais, ça. Euh, là aussi, je le disais sur un autre sujet tout à l'heure, reconnaissons qu'on n'est pas au rendez-vous de la promesse collective que nous avions formulée. Oui, 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 mais tout le oui, monde entendu. doit prendre sa part dans ce, ce exercice. Je n'ai pas dit que vous la preniez pas, mais je, je suis comptable de ce qui se passe aujourd'hui. Et chacun doit dire que pourquoi on a été en situation d'échec pour deux sujets. Un, on n'a pas mis d'argent sur la recherche. Et dans le plan France 2030, on met plus d'un milliard d'euros sur la recherche, parce que la seule solution, c'est de trouver des alternatives. Mais alors là, pour le coup, on partage carrément... Enfin, je... Mais on... Sauf que chaque euh, loi de finances... Mais là, on les a. La recherche sur la, la recherche... De... Fondamentale, non, non, Le, le budget de l'INRAE est quand même vous, est quatre fois moins important que le budget de recherche de Bayer. Vous irez demander, vous Ça irez, donne échec... vous irez demander euh, à l'INRAE euh, s'il pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fait un saut quantitatif, et donc avec derrière un saut qualitatif, sur les moyens de la recherche. Mais ce retard-là, ça fait 20 ans qu'on l'accumule. Je prends l'exemple de, de néonicotinoïdes, puisque vous étiez sénateur et vous aviez, vous aviez refusé la dérogation supplémentaire. On vote cette loi-là en 2014, si j'ai bonne mémoire, euh, d'interdiction des néonicotinoïdes en France. On n'a mis quasiment aucun moyen sur la recherche pendant 5 ou 6 ans. Et donc on s'est retrouvé... Vous n'êtes pas d'accord Je fais grief à personne. C'est la situation dont on est... Alors, monsieur Tissot. Et donc on a alors... besoin... Pour faire quelque chose qui marche mieux dans EcoPhytos, de mettre les moyens sur la recherche et la recherche d'alternatives, et deux, de poser les choses en termes de planification. Et moi, j'ai demandé, c'est ce qu'avait dit la Première ministre au Conseil de l'Agriculture, je veux qu'on sorte toutes les molécules. Euh, quels sont les risques qui sont associés Quelles sont les alternatives qu'on a Quelles sont les impasses qu'on a Et qu'est-ce qu'on cherche pour essayer de sortir de est -ce ces Est-ce que vous êtes convaincu Parce que ce que disait M. Tissot, dans le fond, c'est qu'il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas faire ce voilà, c'est ça. En Prendre fait, des je, ambitions je, je, qui soient vraiment objectives euh, et efficaces. Voilà, je ne doute pas de votre sincérité, mais en fait, vous essayez de trouver une solution sans changer de modèle. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est au bout du bout du modèle. On est au bout du modèle. Euh, Complètement chimique, un modèle qui a sorti la France de l'ornière, a sorti de la guerre de, de, de 30-45, bien évidemment. Il fallait nourrir... Voilà, on connaît tous l'histoire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, moi, ce qu'on peut vous reprocher, et peut-être que dans le plan éco j ai, j ai, il faudra voir de quelle manière ça peut s'organiser sur les années qui arrivent, oui. mais en tout cas, il faut absolument <laughs> encourager, et vous parliez du bio tout à l'heure, il faut encourager une agriculture alternative. Et une agriculture alternative, permettez-moi juste de vous dire que vous avez tenu ces propos-là, c'est pas obligatoirement Jamais. être amiche, c'est pas obligatoirement être... C'est Emmanuel non, ouais. Macron c'est pas oui pardon c'est un autre sujet oui ouais, mais euh, euh, réfléchir ah, autrement sur mais... être sur la sobriété c'est pas obligatoirement être un décroissant ça veut dire on réfléchit autrement et on réfléchit à la manière dont on pourrait mais, se passer des produits phytos. Monsieur Tissot ça veut et, dire finir. Tu... Vous, vous parliez tout à l'heure des, des insecticides et des herbicides mais on peut s'en passer des herbicides on peut c'est une autre façon culturelle c'est à dire quoi des rotations culturelles différentes du, du non labour il enfin, y, y a plein de solutions techniques et on sait que ces solutions aujourd'hui existent et marchent sauf que et là, pour le coup, je vais peut-être être un petit peu direct. Allez mais allez-y, allez 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 voilà, on n'a pas le temps. Il <laughs> y a quand même une force, un lobby très, très fort dans l'agriculture, en amont, sur l'amont, la, c'est-à-dire les fournisseurs, les, 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 les semenciers, les, 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 les bailleurs et compagnies et confrères euh, qui, 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 qui fournissent toutes ces voilà, produits, tous a ces produits. Chimiques, voilà, et, 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 moi, moi je ne voudrais pas que vous cédiez aux sirènes de ces gens-là. Alors, changez le modèle. Encourager ce modèle alternatif. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'il faut qu'on essaye de faire évoluer le modèle. Je dis simplement, j'avais encore il y a quelques jours les, les producteurs de cerises, on a interdit des molécules. Le diméthoate, oui. Dimé oui. Et on a eu raison d'interdire ah le bah, diméthoate. Non, oui. mais voyez, vous ne me trouvez pas sur un autre chemin. Simplement, aujourd'hui, on est en impasse technique. Voilà. Donc on a 30 mais à 40 des récoltes changer de qui sont modèle. En de... oui, mais... Il n'y a pas d'alternative, sinon changer de modèle. Il n'y a mais... pas besoin de, de non, produits exemple, alternatifs. Non mais il faut qu'on trouve... Si on a besoin de produits, par exemple sur la cerise, il y a un, un dispositif qui s'appelle l'insecte stérile, c'est un truc tout à fait, c'est ce qu'on appelle du biocontrôle. Mais si le sujet, c'est de revenir à un moment où on peut avoir ce qui a été avant la guerre de 40 et bien avant, c'est-à-dire des, des crises de maladies, euh, des crises d'insectes qui fassent qu'on fasse disparaître les récoltes. Qu'est-ce qu'on a gagné On n'a rien gagné. Donc, on a besoin de changer, de faire évoluer le modèle, mais on a besoin de le faire pour continuer à pouvoir produire. Parce que qu'est-ce qui se passe en, en, en France Par exemple, sur les fruits et légumes, on était autosuffisant il y a 20 ans. Résultat des courses, on est à 50% d'autosuffisance. Qu'est-ce que je gagne si je ne peux plus produire de cerises Donc, j'ai besoin, besoin de... Ça, c'est pas faux oui, c'est pas faux. Le, le, le constat, évidemment, je partage le constat, mais c'est pas parce qu'on utilise moins de pesticides ou plus de pesticides qu'on qu produit moins de légumes. Hein, c'est pas du tout le problème. Hein. Euh, c'est ah bah aussi C'est ce que semble dire, parce dire, parce qu dire le, mais le ministre. Je, dire je ça. Mais je n'ai pas dit que c'était que ça. Mais, non, mais oui. je dis que ça fait partie oui, des facteurs. Et je ne dis pas euh, Réhomologuons des pesticides qui ont été interdits. Je dis juste qu'il faut trouver des solutions alternatives. Parce que si la seule perspective que je donne à un, à un producteur de cerises, c'est tous les ans d'être indemnisé de la perte parce qu'il y a la drosophile qui a attaqué ses cerises, il arrêtera de produire des cerises. Parce que les agriculteurs, les arboriculteurs et les autres, ils n'ont pas envie de produire pour perdre. Parce que c'est du gaspillage, ça. C'est ce qu'on appelle du gaspillage alimentaire. Le changement de modèle n'est principal... pas une solution. Vous savez que le principal gaspillage alimentaire, il n'est pas dans nos frigos. Le principal gaspillage alimentaire, c'est les, les récoltes qu'on perd dans le monde, et y compris chez nous. C'est parce qu'on n'a pas de main d'œuvre ou parce qu'on n'a pas de produits, y compris des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Les outils de biocontrôle sont des éléments importants. Vous avez parlé de la question des semenciers. Il faudra qu'on aura un débat un jour sur la question des, des, des semences. Mais il y a des nouvelles techniques qui ne sont pas des OGM, qui s'appellent les nouvelles techniques génomiques, qui permettent d'accélérer les processus de sélection. Si vous avez des variétés qui sont plus résistantes, à telle ou telle maladie, mmh. on va gagner notre mmh. temps et quand on a ça, ça permet de ne moins utiliser tel produit. Et donc c'est ça dont on a besoin. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, on est d'accord sur l'idée il faut faire évoluer le modèle. J'ai aucune difficulté avec ça. Simplement, le faire évoluer, ce n'est pas ce que vous avez fait. Donc, je ne veux pas caricaturer votre propos en disant, on a les solutions. Vous avez parlé de la technique de dire sans labour. La technique sans labour, pour beaucoup d'entre elles, elle est, elle, est, elle est basée sur l'utilisation minime et l'utilisation de pesticides. C'est une, alter... enfin, une solution, on ne sait pas. Alors, oui, euh, mais elle a besoin d'un un je... peu un 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 débat sur... Si vous qu'on parle de la sécheresse, il nous reste 5 minutes, c'est maintenant, monsieur Tissot. Alors, non, allez -y on y pourrait y débattre une heure. En en fait. Fait. Ouais, ouais, oui, euh, voilà. On aura des arguments l'un et l'autre. Euh, sur la sécheresse, j'ai une question fondamentale à vous poser, Monsieur le ministre, mais vraiment fondamentale. Aujourd'hui, si on part du principe où l'eau le, est un bien commun de l'humanité, et je pense qu'on est tous d'accord pour, pour dire ça, et, et d'autres personnes l'ont dit bien avant nous, euh, comment peut-on se résoudre à accepter que que quelques-uns puissent euh, subtiliser euh, ce bien commun sans se poser la question qui elle, est fondamentale, comment ces quelques personnes rendent à l'humanité Alors quelques-uns, c'est qui eh ben, je veux dire, prendre l'exemple de Sainte-Soline, euh, pas pour euh, polémiquer, mais parce que tout non. le monde connaît bien ce, ce problème-là. Euh, on, on, on fait une grande bassine, on pompe dans la nappe phréatique, on remplit cette grande bassine qui va servir qu'à quelques-uns, c'est-à-dire qu'à quelques producteurs. Et, et, et on prend un bien commun. Comment ce bien commun, on le rend Et je m'adresse à vous, alors, la famille, réponse... parce que c'est vraiment un C'est une question, question, ah, question un, un, un importante. Je réponds d'abord. Euh, quand vous prélevez de l'eau en agriculture, et vous le savez, parce que vous êtes... Euh... Du métier, vous ne prélevez pas de l'eau pour remplir votre piscine ou nettoyer votre ah non, voiture. D'accord, bien sûr. Pour produire de du bien Alors, vous produire un bien commun. Bah eh fait... oui, parce que l'alimentation, c'est un bien commun. Ah, c'est un ah, bien commun. Oui, mais sauf si ça revenait sur le. Enfin, non, non, mais sauf si. Passe du... si au passage... pardon. Non, non, non. Mais quand, ça, vous vous quand vous prenez de l'eau. Quand vous prenez de l'eau pour non, arroser des tomates, non, mais... euh, de la... du maïs qui peut servir à l'alimentation animale, vous prenez de l'eau. Pour le bien commun qui est de s'alimenter. Alors, quelle est la question qu'il y a derrière sur laquelle je peux partager Et je vais reprendre l'exemple de Sainte-Sonnie parce que c'est un bon exemple, ou un, un exemple de mauvaise polémique. Sainte-Sonnie, c'était 21 millions de mètres cubes prélevés tous les mmh. étés. Le modèle qui a été construit, avec beaucoup plus d'agriculteurs d'ailleurs qui sont engagés, c'est des centaines d'agriculteurs, même si euh, d'autres, mais pour des raisons euh, topographiques, y ont, y ont moins accès, c'est à la fin 13 millions qui seront prélevés, dont 6 seulement en été. Donc on va passer de 20 millions de mètres cubes prélevés l'été à 6 millions de mètres cubes. Donc il y a un effort de fait. Quoi ça veut dire que le projet n'était pas si bien. Mais si, le projet est, est bien, puisqu'on va réduire la, la consommation. Au départ. Et deuxième oui. élément, oui, mais maintenant, il est signé, il y a un protocole, tout le monde était d'accord, et donc il faut avancer. Et les agriculteurs, ils sont engagés sur quoi Sur une modification de seulement sur une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, Et ça pourra être contrôlé. Et sur la plantation de haies. Et donc, si le, le seul perspective que vous donnez au monde agricole, c'est débrouillez-vous sans eau... Ah non, je n'ai jamais dit ça. Non mais, pas, je ne sais pas... C'est tragique. Et donc il y a des endroits où c'est des réserves. Bah, de certains disent, certains écolos Alors, vont jusque-là. Euh, non mais on peut. Non non, il y a des réalités qui s'imposent. Aucune plante ne pousse sans eau. Nous sommes ah là. Bah, marie la a dit que les tomates pouvaient pousser sans eau. Mais non, ouais, mais exact... pas dans la vraie vie. C'est pas. Bah, on voilà. est bien d'accord. Voilà. Il faut de les la terre et de l'eau. dans la vraie vie. Voilà. 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 Donc après, euh, pour revenir à, 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 à la problématique du stockage de l'eau. Alors il y a les, les solutions des retenues collinaires, etc. Mais il faut quand même juste savoir que quand on retient 100, on a 60... Qui disparaît. On a 60 pour... Dès qu'on extrait de l'eau du sol et qu'on le met dans une bassine, on a 30% d'évaporation. Dans votre question quand, parce qu'on arrive à la fin, Monsieur Tissot. Et à, et à nouveau, euh, quand on Mais asperge, qu est... On, 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 a quand beaucoup, on irrigue, on, on de repère le niveau l'eau. Donc les, ma, ma question est très claire comment faites-vous pour encourager, comment vous aider finalement, mm -hmm. c'est ça, financièrement, vous encourager des systèmes alternatifs, c'est-à-dire du goutte à goutte, et seulement et seulement aux productions qui apportent une plus-value. Parce que si c'est pour arroser voilà. de l'herbe qu'on qu va donner à des vaches, que ces vaches vont faire du lait et qu'on vend le lait à 350 euros la tonne, ça ne sert Alors, à rien. Notre sommes... Mais... réponse en deux ah, minutes, si ah, c'est possible, ah, pas plus. de faire en deux minutes comment on fait. Sénat à l'Assemblée nationale. Ouais, voilà, euh, simplement, je partage l'idée que c'est on doit le gérer en commun, cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est pas l'affaire des uns, c'est pas l'affaire de ceux qui, pour le tourisme, s'en occupent, de ceux qui en ont besoin pour l'industrie. Donc on a besoin de réfléchir en commun. Je suis d'ailleurs assez favorable, là où c'est possible, ce n'est pas, pas le cas dans les à Sainte-Soline, mais d'avoir des ouvrages qui soient à multi usages qui puissent servir à l'alimentation en eau potable. Le meilleur exemple, c'est Serponçon. Mais Serponçon, aujourd'hui, les détracteurs que vous avez là sur la table, ils refuseraient Serponçon. La vérité, c'est ça. Oui. Mais oui, il vous dirait que on vient dé... parce qu'on est sur un cours d'eau, un hein, oui. Or, serpentson, c'est un modèle qui marche, y compris en partage. Et donc, on a besoin simplement de dire aux agriculteurs, voilà ce les ouvrages qu'on vous autorise, mais simplement ça se fait dans le cadre d'une transition du modèle, y compris pour dire bah, c'est plutôt cette culture qui est priorisée, y compris sur les efforts de réduction des produits phytosanitaires, y compris ce qu'on a fait sur saint sols. Et donc, il faut plutôt encourager la transition. L'accès à l'eau, il doit être, euh, comment dirais-je, organisé pour faire en sorte mmh. qu'il permette la transition et pas qu'il accélère des processus de, euh, bon. de pression sur l'eau qui soit trop fort. Vous voyez bien qu'il y a des modèles, on voit bien qu'il y a des modèles dans certains pays du monde, y compris en Europe, où on a trop prélevé d'eau et le système euh, s'effondre. Ce n'est pas le modèle qu'on a en France. Et donc c'est celui-là qu'on doit privilégier. Et de ce point de vue-là, oui. on a une gestion collective et commune, c'est-à-dire le penser oui. que c'est pour tout le monde qu'on le fait, y compris en termes d'alimentation. Vous êtes convaincu ou pas Oui ou non On n'a plus le temps. Non, en suivant, en tout cas, c'était passionnant. Bref, Merci beaucoup. Mais couloir. presque, ça avance. Merci. Mais restez avec nous, on va écouter maintenant Vincent Roux qu'on retrouve au Figaro Live. Vincent, quelle est votre question au ministre oui, bonjour. Rebonsoir, Marc Re Fesneau. Il euh, y a une, une affaire qui a pas mal ému euh, ce week-end, c'est l'agression d'un petit garçon qui s'appelle Kenzo. Huit ans, c'était lors d'un match euh, en marge d'un match Ajaccio-OM où des, euh, des supporters des hooligans euh, se sont introduits dans sa loge, et ont frappé son père et ont agressé également cet enfant qui est handicapé. Ce soir, Emmanuel Macron euh, a dit à, au Mont-Saint-Michel qu'il voulait des sanctions claires et fortes. On n'en attendait pas moins. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de, de, de discours suffit à arrêter cette, ce, ces, ces violences euh, Est-ce qu'il ne faut pas des mesures vraiment plus, plus radicales, des mesures d'interdiction de stade, notamment pour un certain nombre de supporters et d'aficionados euh, euh, enfin, Les mesures d'interdiction de stade seront produites dès lors qu'on va identifier, les, enfin, je crois qu'ils sont en cours d'identification, les, les coupables de ces actes. Euh. Euh, donc ça, c'est une chose. L'interdiction de Zad est une mesure. La justice doit passer parce qu'il y a quelque chose de très choquant dans ce genre d'attitude. Et puis, quand vous réfléchissez à ce que qu l'acte de quelqu'un euh, qui ne savait peut-être pas que cet enfant par ailleurs était malade, souffrait d'un cancer du cerveau et était venu au fond exprimer son soutien à son club, euh, priver un enfant de la joie de défendre son club, faut quand même avoir un drôle d'esprit. Hein. Et c'est là qu'on a quelque chose à faire collectivement pour que partout on dénonce la violence parce qu'on a eu en bord de stade aussi ailleurs un supporter qui s'est permis d'agresser un joueur pourquoi parce qu'il avait marqué un but on est quelque chose euh, de l'ordre de la violence Rodez. qui s'exprime c'était entre Bordeaux et Rodez si j'ai bonne mémoire on a quelque chose qui n'est inacceptable mais oui. pas que dans le sport partout la violence n'est pas un moyen d'expression et la violence verbale précède la violence physique et donc j'espère que les personnes qui sont coupables de cet acte seront condamnées parce que au fond cet enfant et ses parents ont été agressés simplement parce qu'il venait supporter Merci. un club. Merci Et ça à... c'est quand même dément d'un point de vue de l'esprit de public, et moment qu'on a besoin de travailler là-dessus et de dénoncer sans relâche ces éléments-là. Merci beaucoup d'avoir posé cette question, euh, Vincent, qui nous renvoie à l'ensemble des violences, euh, avec une espèce de loi des séries ces dernières semaines, qui est tout à fait stupéfiante et sidérante, euh, et qui nous interpelle tous. tous. Euh, merci à vous, Monsieur merci le vous. Ministre, d'avoir été euh, l'invité ce soir. Merci, Monsieur Tissot, encore une fois, d'avoir accepté merci le principe du merci débat. C'était euh, très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine à 19h30 pour audition publique. Bonne semaine à tous.